Cette vidéo et cette courgette pourraient sauver la vie de tes parents. Thibaut a fait un test de dépistage du cancer colorectal qui est revenu positif et il va falloir qu'on fasse une coloscopie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cancer. Grâce au dépistage, on a probablement épargné à Thibaut un cancer du côlon. Donc pas de tabou avec la santé, fonce te faire dépister ou... Pourquoi est-ce que j'ai opéré Lucie ? Lucie a un cancer du sein. On va aller réaliser une tumorectomie pour lui enlever la masse de son sein gauche. Il s'agit d'un carcinome infiltrant de 2 cm. Contrairement à la mammectomie, la tumorectomie ne retire que la tumeur. La mammectomie va retirer elle tout le sein. Lors de la tumorectomie, le chirurgien va réaliser une exérèse en marge saine. La deuxième partie de l'opération consiste à retirer le ganglion sentinelle, c'est-à-dire le premier ganglion de drainage de la glande mammaire et l'envoyer en analyse anatomopathologique. Pourquoi j'ai opéré cette pastèque ? Emma a 27 ans et ne veut plus d'enfants. On lui a donc proposé une méthode de contraception définitive, la ligature de trompe. L'opération se fait en environ 10 minutes, le plus souvent en célioscopie et avec des incisions beaucoup plus petites que sur la pastèque. On peut voir en blanc les deux ovaires au centre l'utérus et les deux trompes. Le chirurgien va sectionner la trompe, mais avant ça, il va la ligaturer, c'est-à-dire l'entourer avec du fil. Il va enfin sectionner la trompe, ce qui va définitivement empêcher l'ovule de passer de l'ovaire à l'utérus, et pareil de l'autre côté. Pourquoi j'ai opéré Timothée ? On vient de diagnostiquer à Timothée une torsion testiculaire. Il faut tout de suite qu'on aille au bloc pour lui détordre et lui sauver son testicule. C'est une torsion du cordon testiculaire qui contient l'artère, la veine spermatique et le canal déférent. Après avoir sorti le testicule, le chirurgien va détordre le cordon, ici 2 tours. Et pour éviter les récidives, on va suturer l'albuginé, c'est-à-dire la paroi du testicule, au scrotum. À but préventif, on fera pareil de l'autre côté. Pourquoi est-ce que j'ai fait une coloscopie à Thibaut ? Cette vidéo et cette courgette pourraient sauver la vie de tes parents. Thibaut a fait un test de dépistage du cancer colorectal qui est revenu positif et il va falloir qu'on fasse une coloscopie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cancer. Avant de te montrer la coloscopie, laisse-moi te parler 10 secondes du dépistage. C'est un test que tu dois réaliser à la maison à partir de 50 ans. Faut que tu prélèves un petit bout de tes selles et que tu l'envoies par la poste pour être analysé. Mais t'inquiète pas, dans 96% des cas, il est négatif. Mais s'il est positif, il va falloir alors faire une coloscopie. C'est un examen qui consiste à l'introduction d'une caméra dans le côlon pour voir ce qui s'y passe. Il est réalisé sous anesthésie générale, donc t'inquiète pas, tu ressens rien du tout. Au fur et à mesure qu'on avance dans le tube digestif de Thibaut, on observe des circonvolutions qui sont tout à fait normales, y a pas de quoi s'inquiéter. Par contre, on voit un polype, qui est une tumeur bénigne mais qui pourrait se cancériser. Il faut donc qu'on l'enlève et qu'on l'envoie en anatomopathologie. Grâce au dépistage, on a probablement épargné à Thibaut un cancer du côlon. Donc pas de tabou avec la santé, fonce te faire dépister ou parle-en à tes parents.